ça se connecte. On va regarder si ça se connecte. Pas encore, pas encore. Ça ne serait tardé. Ça va arriver là. Bon, ce soir, c'est plutôt calme. Ouais. Ah, deux personnes. Ah oui, 4. Ok, 6. Ouais. Hello Facebook. Vous êtes avec Vincent et Romain. Salut à tous. Salut Aurélie. Ça va Josie? 11 personnes. Oh, Kevin, le beau gosse, il est là. Ouais, Kevin est là. Salut Hammer. Hammer, tu sais qu'il y a une marque de machine de biscuits qui s'appelle Hammer? Hammer Stretch. Ouais, je connais. Alors Kevin, ça va? Tu sais que t'as gagné un polo et que je t'ai pas oublié. Ah. Hello, 14, parfait, on monte en puissance. Salut Alexandra. Hello Alexandra. Salut Marilène. Salut Hammer. Hey Hammer. Hammer la machine. Ouais. Ok, donc ce soir, vous êtes avec Vincent et Romain, donc ce live suite à l'annonce du préfet, donc on s'adapte. Donc le club doit être fermé à 18h et donc on vous propose un planning sur mesure. On va ouvrir dès 6h du matin jusqu'à 17h30, samedi de 6h jusqu'à 14h et le dimanche on va ajouter des horaires aussi. On va s'adapter au maximum en fonction de la demande. Hey Cécile! Salut Cécile! Le dimanche on est ouvert de 9h à 13h. Ouais, le dimanche on va être ouvert donc de 9h à 13h et le samedi de 6h à 14h et la semaine on sera ouvert de 6h jusqu'à 17h30. Donc pas d'excuses, hein? Pas d'excuses du tout. Vous pouvez venir la semaine. Voilà, plus tôt, hein, pour les gens qui peuvent pas venir, qui peuvent en général venir très tard. Donc là, vous pouvez venir avant le travail, justement, 6h. Et le dimanche également, si vous n'avez pas fait votre séance dans la semaine, le soir, vous pouvez venir le dimanche dans la journée. Et puis le samedi aussi. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, si vous avez des questions, mettez en commentaire par rapport au planning. Organisation. Mettez des j'aime aussi pour l'organisation du planning. Direct, on s'adapte. Une annonce, on s'adapte direct. Il faut s'adapter. Ouais. Ah, commence à avoir des j'aime là. Ah, ça remonte un petit peu. Merci. Parfait. Pour l'info, c'est top. Bah, de rien, Kimlan. C'est normal. Hello, Kimlan. On se donc le planning demain. Ok. Pas de soucis, on sera là dimanche. Énorme. Ah, comme très tôt le matin avant d'aller au taf. Kevin, Romain, à quelle heure tu dors du coup? Ouais, il dort pas. Il dort pas, moi. La nuit, il pédale, il fait du vélo, il s'arrête jamais. C'est ça. Donc les horaires, toute la semaine, de 6h jusqu'à 17h30. Le samedi, de 6h jusqu'à 14h. Et le dimanche, ce sera de 9h à 14h, ou plutôt s'il y a de la demande. Ouais. Ça. Alors, est-ce que vous avez des questions? On y répond avec grand plaisir. Pas de questions, mais en tout cas, ils ont l'air motivés à venir dimanche, à venir top. Le matin. Top, c'est Alexandra. Top. Réactivité au top. Ah, il faut. Yes. Toujours. Merci. Ah, il y a ma petite chérie qui est connectée. Mettez des j'aime, hein. On n'a pas beaucoup de j'aime. Bon. Ah, on a des j'aime du coup. Bon, si vous avez des questions autres que sur le planning, sur l'alimentation, sur tout ce que vous voulez, allez-y, profitez-en. Ouais. Est-ce que ça sera mis en ligne? Ouais, c'est déjà en ligne même. Ouais. Cécile a super bien travaillé, Hammer, et donc les horaires sont déjà en ligne. C'est bien ça.
pouvez vous organiser. Donc là, directement sur le site, vous pouvez réserver à Cécile. C'est qui a répondu. C'est déjà mis à jour. C'est déjà mis à jour. Ah, merci à vous, c'est grâce à vous qu'on aime venir. Ah, Kevin, formidable. Kevin, tu sais que ton polo va arriver. Bah, c'est pour ça qu'il dit ça, pour avoir son polo. Non, je plaisante. Avec le nouveau logo, bah, tu vas avoir trop la classe. Ouais. De rien, Hammer. C'est normal. Donc, vu qu'il y a des nouvelles personnes qui sont en train de se connecter, donc du lundi au vendredi, les cours commenceront à 6h et ils se termineront à 17h30. Donc, à 18h, il faut être absolument à la maison. Et le samedi, de 6h jusqu'à 14h. Le dimanche aussi, il y aura des cours de 9h à 14h. Et bien sûr, si vous avez des propositions pour d'autres horaires, on s'adaptera aussi. Ah, Alexandra dit merci, merci. Cécile. Cécile, Cécile dans les back-office. Exactement. Réactive aussi, hein. Ok, eh bien écoutez, je crois qu'on a fait passer le message. Oui, c'est super. On a 26 personnes qui nous regardent quand même. Impeccable. Ça fait pas mal, non? Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, profitez-en, posez-nous un maximum de questions. Ok. Bon, ben je crois qu'on est plutôt pas mal. Dernier petit rappel, donc les cours commenceront le lundi à 6h et se termineront à 17h30, le samedi 6h-14h et le dimanche 9h-14h. C'est ça. Je crois qu'on est bon. Yes, on est bon. Si vous n'avez pas de questions, nous, ben on va aller manger quand même. Hein. Alors, nous vous souhaitons une excellente soirée et rendez-vous dès demain. Christelle qui demande si est-ce que c'est cette journée continue. Journée continue, oui, on peut sans problème. Parfait. Ah, c'est cool ce que tu fais, Vincent. Ah, merci, Arlette. C'est super gentil. Ah, okay. Plein de commentaires. Bon, allez, bah, bonne soirée à vous. Salut, Quentin. Ah, Quentin. Tu connais Quentin? Ça va, Quentin? Quentin. C'est quel Quentin? Il y en a plusieurs des Quentin. Ça va, Vincent? Quentin. On a bien un Quentin. Ok, bon, en tout cas, si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous envoyer des messages, contacter Cécile et nous envoyer des mails. On répondra. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Exactement. Et venez, hein. Et gardez la forme, comme dit Christelle, pendant le couvre-feu. Hyper important. Avez des conseils pour les repas? Oui, Émilie? Si tu veux des conseils pour les repas, vas-y, tu as une question, je peux te répondre en direct. Ou est-ce que vous voulez qu'on organise des lives sur la nutrition? Ouais, on pourrait. Des FAQ. Des FAQ sur la nutrition. Si vous avez une question sur la diététique, sur l'alimentation, c'est avec grand plaisir. Avez-vous des conseils pour les repas? Ouais, dans ton assiette. Donc tu la partages. Il y a une partie où tu mets des légumes, une autre partie où tu mets de la viande, du poisson et des œufs, et une autre partie, si tu veux un petit peu perdre de la graisse, donc tu mets, on appelle ça les glucides, mais c'est souvent appelé dans le jargon les féculents. Donc c'est tout ce qui est pommes de terre, patates douces, riz, tout ça, il faut le gérer, en fait, à petite dose. Mais on fera un live exprès pour ça, si vous le demandez. Ouais. Là, même Christelle, elle a dit, hein, FAQ, c'est top. On pourrait faire une FAQ sur la diététique ou autre, hein, peu importe. Et Mylène a un beau commentaire. Hâte de prendre des cours avec vous. Wow, ça, c'est top. Merci Mylène, c'est super avec cool. Avec plaisir, moi aussi, en tout cas. Ok, merci. Merci de nous avoir écoutés, c'est super. Merci à vous. Et rendez-vous dès demain pour nos abonnés. On vous souhaite une bonne soirée. Salut à tous et à bientôt chez ChronoFit. Ok, pour les lives, Émilie, c'est retenu. Ciao, ciao.